Et yo tout le monde, Steridil, on se retrouve pour le succès Halo 2 Seigneur Scarab qui consiste à récupérer le fusil Scarab dans la mission Métropole. Alors il y a plusieurs méthodes pour le débloquer, notamment celle du Banshee, mais on a déjà fait une vidéo très key historique dessus, donc j'en profite pour vous montrer la seconde, qui est un rocket jump en fin de mission et qui nécessite le crâne Spoutnik. Donc on va récupérer le rocket, on va se diriger vers la dernière passerelle, et il va falloir positionner une caisse à un endroit très particulier. Alors cette caisse c'est celle-ci, on va éviter de tirer dessus sinon elle va complètement s'envoler. Il va falloir la pousser vers là d'où on vient, au niveau du début du pont à peu près, et switcher en graphisme classique. Cette caisse il va falloir la positionner le long du rail là, avec les traits dans la même direction on va dire, et exactement en face de cette espèce de petit carré. Ça c'est important, il va falloir un petit peu se dépêcher. Puisque on va essayer de choper un checkpoint qui va grandement nous faciliter la vie. Donc il faut être un petit peu tatillon. Et une fois qu'elle est assez bien placée, on va sauter dessus, on va prendre le rocket et regarder à peu près là où je regarde, au niveau des polygones du tuyau, là. Voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer exactement. Donc là on va attendre le checkpoint. Donc une fois que vous avez ce checkpoint, vous pouvez tirer et vous allez voir que vous allez vous envoler très 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 haut. Si vous vous envolez pas assez haut, c'est que la caisse est mal positionnée, juste au niveau du pont où il y a le Scarab Gun qui est placé. Donc ça va nécessiter plusieurs itérations, c'est pour ça que le checkpoint est pas mal. Et on va essayer de jouer en se baladant sur la caisse, en tirant plus ou moins loin, afin de trouver la bonne manière d'atterrir sur la plateforme. Et si vous vous y prenez bien, vous devriez arriver à une hauteur qui ne va pas vous tuer en retombant sur le pont. Et donc vous pourrez récupérer le Scarab Gun qui est juste là, qui vous attend bien sagement. Et vous devriez débloquer le succès, voilà. Bon, alors sachez qu'à partir de là, vous ne pouvez plus terminer la mission. Mais bon, a priori, on s'en fiche. Alors moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et bien entendu, vive Halo !